Salut, et bah écoutez, bienvenue pour cet épisode Back to Basic numéro 2 sur les triades. Donc hier, on a revu un petit peu ensemble l'importance de développer le travail autour des triades. Et on a notamment parlé des triades majeures. Donc peut-être vous êtes un peu plus familier avec ces trois positions. Donc bien sûr que l'important, c'est de repérer où est la fondamentale, comme ça, après, ça, vous allez pouvoir un petit peu vous débrouiller et retrouver facilement les autres renversements, notamment, par exemple, de tous les accords majeurs de la tonalité de Do majeur, c'est-à-dire Do Fa Sol. Donc là, j'ai fait Do Fa Sol en gardant la continuité des voix, du plus grave jusqu'au plus aigu que je peux faire techniquement, on va dire, en enchaînant toujours Do Fa Sol, Do Fa Sol, Do Fa Sol. Donc déjà, ça peut être intéressant. Autre truc que vous pouvez faire, donc là en intro, j'ai vite fait, j'ai fait une pédale de Ré, en fait, comme un espèce de drone, et j'ai enchaîné diatoniquement toutes les triades de la gamme de Do. Donc Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, etc. Et tout ça avait rapport peut-être avec le mode de Ré dorien, puisque les intervalles, du coup, ce n'est pas de la même façon, puisqu'il y avait Ré derrière, et non plus un Do. Donc ça peut être une bonne chose à pratiquer aussi pour les couleurs. Vous enregistrez des petits drones comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les triades majeures toujours? Et ben, par exemple, prenez par exemple Hey Joe. C'est que des accords majeurs. Do, Sol, Ré, La, Mi. Et ça aussi, vous pouvez l'étudier en triade. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Prendre par exemple la progression la plus commune peut-être en pop, ce qu'on appelle un peu vulgairement la progression d'accords magique, le 1-5-6-4. Donc vous pouvez reconnaître Let It Be, No Woman No Cry, mais aussi Under the Bridge, qui fait exactement la même progression, sauf que là c'est en mi. Donc si on fait 1, 5, 6, 4, et qu'on étudie toutes les possibilités, toujours sur le même set de cordes, 1, 5, 6, 4. Deuxième secteur. 1, 5, 6, 4. 1, 5, 6, 4. Dernier. 1, 5, 6, 4. Donc ça nous amène aujourd'hui à approfondir peut-être les triades mineures cette fois-ci. En fait, vous en connaissez au moins. Au moins une, je pense, peut-être deux si vous connaissez vos barrés. On va prendre l'exemple du Ré mineur. Oups. Donc celui-ci, vous le connaissez normalement. C'est un des accords ouverts que vous avez appris au début. D'ailleurs, qui est pas toujours évident à placer celui-là. Donc normalement, dans un Ré mineur, qu'est-ce qu'on a comme note? Eh bien, à l'état fondamental, on a Ré Fa La. Donc pareil, le même système que pour les triades majeures. Je vais dropper une voix à l'octave. Hein, et il va falloir retrouver les autres. Et là, je me retrouve. Donc si on étudie un petit peu, dans la position fondamentale, le Ré est sur la corde de Sol. Dans le renversement, le premier, le Ré se trouve bas, tout en bas, forcément. Et au milieu, pour le deuxième renversement. Et donc, en fait, vous connaissiez déjà votre Ré mineur comme ceci. C'est-à-dire, finalement, le Ré mineur basse La. Parce que j'ai le La au plus grave. Ensuite, bah, regardez, hein. Si je drop le La, faut récupérer le Fa et le Ré.
Donc, des exemples de triades, il y en a plein. Il y en a plein dans, dans des chansons que vous connaissez. C'est que des triades, en fait. Regardez bien dans tous vos morceaux préférés. Ce n'est que ça, quoi. Donc, pour les triades mineures, voilà, ce qu'il faut faire, c'est pareil, le même boulot. Repérer où se trouve la fondamentale dans les positions. Vous auriez pu aussi prendre une autre approche, c'est-à-dire celle de transformer tous les do majeurs que vous avez bien sectorisés maintenant et faire descendre en fait la tierce majeure en tierce mineure. Donc si on sait forcément où se trouvent les notes, ça devient plus facile. Donc pour le do majeur, c'est comme ça. Do mineur, c'est comme ça. Puisque la tierce, le mi, devient mi bémol. Pour ce renversement-là, le mi, il est tout en haut. Mi bémol. Ok, comme ça, ça vous permet d'associer les positions ensemble. Voilà, donc déjà, avec ça, normalement, vous êtes capable de trouver tous les renversements majeurs et mineurs sur votre premier set de cordes et au moins sur tous les accords de la tonalité de Do, ce que je vous encourage vivement à faire. Donc Do. Ré mineur. Mi mineur. Fa. Sol. La mineur. Et éventuellement le si diminué si vous êtes un peu courageux. Donc voilà, ça vous fait déjà normalement une petite panoplie de triades intéressantes. Donc je répondrai à l'affirmation de l'équation qui n'est pas bonne de 6 égale 72 dans peut-être l'épisode 3, où du coup on essaiera de faire toutes les triades majeures et mineures, mais en suivant le cycle des quintes que je vais essayer d'afficher par là. Comme ça, on fera une étude vraiment complète, et cette fois-ci on pourra du coup expliquer cette fausse affirmation mathématique de 6 égale 72 avec l'aide du cercle des quintes. Donc voilà pour ces petites triades. Je vous refais un petit peu avec le drone, juste des petites triades comme ça de la gamme de Do, mais par-dessus la pédale de Ré majeur. De Ré, juste, pardon. Thank you.
Donc voilà pour ce petit récap de triade majeure et mineure. On se retrouve pour l'épisode 3. Ciao.